De Radio Tunis, chaîne internationale, et on continue de vous présenter le programme des festivités de fin d'année au Mövenpick Hôtel du Lac. Je rappelle qu'on joue pour vous faire gagner un brunch pour 4 personnes en posant la question par rapport à la thématique retenue cette année: est-ce Noël lumineux, est-ce Noël en chocolat, est-ce Noël tombe à pic? Je donne un autre numéro pour ceux qui n'arrivent pas à nous joindre sur le 71 840 000. Alors le nouveau numéro, c'est 71 847 300, et vous demandez RTCI. Noël lumineux, Noël en chocolat ou Noël tombe à pic, à vous de donner la réponse. Et sans transition aucune, Khalil Snoussi est avec nous au bout du fil, directeur de la restauration, pour nous parler de ce qu'il prépare pour cette année en termes d'espace, en termes de brunch, en termes de food corner et pour le dîner de Noël également. Voilà, j'ai posé toutes les questions déjà, Khalil, ça va? Bonsoir. Alors cette année, alors j'ai devant moi le nom des espaces et ça me donne l'eau à la bouche. Candy Sky, c'est quoi ce Candy Sky? Alors le Candy Sky, ça va être à l'extérieur, sur la terrasse, sous la tente, où il va y avoir beaucoup de surprises. Donc cet espace, il a été dédié surtout pour les visiteurs qui n'auront pas l'occasion d'accéder au brunch, où ils peuvent profiter de pâtisseries de Noël traditionnelles comme les pâtes de fruits, les pâtes d'épices, les chouquettes et bien sûr la fameuse bûche de Noël que vous pouvez même emporter avec vous. Excellent, ça c'est voilà, c'est une bonne info pour ceux qui pour les gourmands tout simplement. L'allée chocolatée, une allée chocolatée. Une allée chocolatée qui va être, donc tout un espace qui va être dédié pour le chocolat, étant donné que c'est le thème de cette année, où on va avoir différentes marques. On est encore en négociation avec de grandes marques suisses qui vont nous rejoindre pour participer avec nous à la conception de cette allée chocolatée. Nice, très ça, voilà, j'ai déjà l'eau à la bouche pour tout ça. Sont vraiment déjà passés au brunch, parce qu'il s'agit de ça également à partir de ce dimanche, le grand classique, les brunchs que déjà vous prévoyez en le reste de l'année, mais pendant les fêtes. Alors ça donne quoi pendant les fêtes? Alors pendant les fêtes, c'est des brunchs qui sont bien sûr spéciales Noël, où vous allez découvrir le talent et l'inspiration du chef Tahar et ses équipes, mais pas que. On va pouvoir voir aussi l'héritage et la philosophie de notre marque Mövenpick, des produits d'exception qui seront au rendez-vous, le foie gras, la volaille de fête, tels que le chapon avec sa sauce au marron et les fameux confits de canard. Il est 18h46, Khalil, hein. L'heure du dîner approche. Donc le traditionnel Wellington qui sera au rendez-vous aussi avec sa sauce au foie gras légèrement poivré. La nouveauté de cette année, la recette emblématique de la cuisine suisse, la raclette, qui sera à rendez-vous faire plaisir aux passionnés de fromage. Côté froid, donc nos artistes vont préparer des mets sortants de l'ordinaire, des éclairs version salée au saumon, au langoustine ou encore à la viande séchée. Et sans oublier bien évidemment le bar à huîtres avec le vinaigre xérès et une panoplie de verrines aux différentes saveurs. Pour finir, pour la partie pâtisserie qui va être débordante de chocolat. Donc, le millefeuille, évidemment, le millefeuille, on n'en parle plus, mais il sera bien sûr au rendez-vous. Mais bien évidemment, il va y avoir d'autres créations chocolatées, les bûches aux différents parfums, les pommes d'amour et plein d'autres surprises de showpiece au chocolat qui vont être spécialement préparées pour ces brunchs. C'est bon, il nous a vendu le truc, c'est bon. En mode fête foraine, pardon, donc avec les pommes d'amour et tout ça, mais aussi les food corners. Alors ça, c'était le programme du brunch, côté salé et sucré, mais aussi il y a des food corners avec les animations. D'habitude, c'est une tente en fait, où on retrouve un petit peu ces produits-là, c'est ça? Tout à fait. Donc ce sera le point d'or qui aura lieu durant le marché le 16, le 17 et le 18, où il va y avoir un véritable espace de restauration sur le pouce, alliant sucré et salé et toutes les spécialités de Noël, snacks, sandwichs et plein de préparations à base de chocolat, les confiseries bien évidemment aussi. Donc pour le marché, tous les promeneurs à qui on a pensé, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, qui n'auront pas l'accès au brunch, auront l'occasion de déguster tes préparations avec une vue au bord du lac pour satisfaire leur petite faim.
Très très bien. Alors pour finir, Khalil, le dîner de Noël. Le dîner de Noël, évidemment, qui aura lieu le 24 décembre. Donc le avec un menu. Avec un menu spécial à notre atelier culinaire, la table du chef. Donc je profite de cette occasion pour dire à nos chers auditeurs que vous pouvez réserver, que ce soit les brunchs ou pour le dîner de Noël, oui, en contactant le 21 386 000. Nous serons heureux de les accueillir et de leur faire vivre des expériences exceptionnelles. 21, on répète le numéro, 21 386 000. 386 000, voilà, pour réserver, bien sûr, votre table, que ce soit pour les brunchs ou pour le dîner de Noël au Mövenpick Hôtel du Lac. Merci beaucoup, Khalil Snoussi, de nous avoir présenté toute cette belle programmation qui démarre ce dimanche et qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Nous, on marque une dernière pause musicale et on revient avec le mot de la fin et puis donner les infos pratiques pour faire partie des festivités du Mövenpick. Ah.